Et mon frère, c'est mon sang qui est là. J'ai mis cacao. Cacao, comment c'est produit? Et encore, tout est devenu comme ça à cause du soleil. J'ai dit. Pourquoi le soleil a tué vos cacao comme ça, vos champs comme non, ça? C'est, la pluie est arrêtée pendant 6 mois. Ce qui fait qu'il ne pleut pas assez dans ce temps, c'est que nous voyons, quand on venait dans cette portion de terre, nous entrons dans la forêt. Ça, tout le monde se rend compte. On rentrait dans la forêt depuis le village jusqu'ici. Mais aujourd'hui, quand vous avez pris la route, peut-être que vous n'avez pas vu de forêt en route. Et donc, comme il n'y a plus de forêt, c'est ce qui explique que le champ ça dans cet aspect. Oui, moi je pense que c'est ça. Parce que au départ, quand on faisait la plantation en 78, il pleuvait beaucoup. Même il était difficile pour nous de pouvoir faire du feu au champ. Toutes ces forêts qui devaient longer la route jusqu'à votre champ, pourquoi cette forêt n'existe plus? Mais c'est dû à l'agriculture, parce que les gens ont fait des plantations tout le long de la route que vous avez vu. Sinon, tout était la forêt, je vous ai dit, tout était forêt quand on venait. On doit garder, préserver les arbres qui sont dans les champs et ne pas les abattre. Hein, et ne pas aussi, si nous voulons renouveler un champ, si on nettoie le coin, il ne faudrait pas que nous mettons le feu brûlé. C'est pas bon. Ça détruit encore le sol. On y a mis quelque chose qui là, ça a fini une tomate, caca au milieu, ma pa. Donc là, les gens font ni on tient que dans la source, c'est quoi? Au coin, mon nom. Bien, quand au coin, mon nom, bah, cousin, on tient que là, ça. On zutie, ma, à quoi tu n'as? On tient à fini, bah mes quoi, sucre. On croise ma cœur, y a qui bah mes gens font ce qu'a fait ni America. Comment nous allons faire maintenant pour que le cacao puisse se reprendre? Le cacao ne puisse plus mourir comme tous ces gens. Monsieur, où nous sommes, on ne sait même pas où allons-nous. Mais ça, vous-même, je peux vous demander quelle planche que je vais mettre et puis mon champ il va reçu. Sans ça, nous, on ne sait rien encore. Voilà, c'est Niam, on va mettre. Bon, voilà, on va être là. Il y a le bar. Bon, comme il faut le temps, c'est ça tout. Il y a le temps, il y a le. Donc si ça en vient à quoi qu'on a mal donné que c'est un petit cas qui est remau c'est ni même ni voir ni demi tel fin avant la main voilà mais du bruit que mal donné que on entend des noms comme celui-là mais c'est car du bruit car les deux voilà barre en basket. Ce que vous voyez là c'est un barrage de type agricole et il est fait pour élever les poissons de manière artisanale. Donc, c'est nous les planteurs qui le faisons. Si c'est de manière industrielle, nous, on ne peut pas le faire. À l'époque, quand mon père le faisait, c'est par rapport à aujourd'hui, le soleil qui devient plus brûlant et la récolte, la production du cacaoyer qui diminue. Je pense qu'il a fait pour diversifier ses revenus au niveau familial. C'est une pépinière offerte par Nestlé à Kavokiva. À Kavokiva. Pourquoi? Pour aider les planteurs à améliorer leur rendement. Son rendement, c'est comment? Je peux vous dire que auparavant, nos parents détruisaient beaucoup de forêts pour avoir un tout petit rendement. Mais aujourd'hui, avec ces variétés-là, nous pouvons avoir 2 tonnes à l'hectare seulement. 2 tonnes à l'hectare? Oui. Ah bon? C'est possible. Non, c'est de la bonne variété. C'est possible avec cette variété. Bon, sans la pluie, est-ce qu'on peut planter ces variétés? Non, sans la pluie, on ne peut rien faire. Parce que cette année, il n'y a pas eu de pluie. Donc, ça fait que j'ai pas eu les plantes que je voulais avoir. Il était mort, nous aussi, mort, nous n'avons pas eu une idée. Donc, on va mieux faire ça. Il nous a battu, On va essayer. Sango, Gina, Bena, Kanou, Jemé, Tromé. Il a dit, il était à quoi nous causons? Bon, on va faire le bateau, c'est ce qu'on a fait. Ah, bien que tout, mais c'est ce qu'on a fait. On va faire le bateau. Nous avons cru vouloir chercher l'argent en détruisant abusivement la forêt. Mais aujourd'hui, le geste que nous avons fait est retombé sur nous-mêmes. Vous avez visité le champ, un champ où je pouvais avoir 4 tonnes dans l'année. Aujourd'hui, je n'arrive même pas à avoir 3 sacs même dans une seule cueillette. Donc, je suis redevenu encore pauvre, comme si c'est maintenant je suis venu pour faire une plantation, alors que je suis vieux dans
dans la plantation, dans la cacao culture. Donc je vais demander à mes frères qui font la plantation vraiment de ne pas détruire n'importe comment la forêt. Pour ceux qui sont encore dans les zones où il y a la forêt, d'arrêter de détruire la forêt. Le peu de forêt, de passé que nous avons eu, c'est de l'entretenir.